fait, on a, avec l'équipe Access West, l'équipe de briquetage, on a établi d'abord certaines règles qu'on voulait voir se réaliser dans l'entrepôt ou l'atelier avec les étudiants. Puis, ensemble, en équipe, on s'est dit qui va s'occuper de quelle partie. Donc, comme j'avais suivi une formation avant avec mon ancien centre, moi, j'ai amené les fondements un petit peu plus théoriques, l'importance de vérifier, donc d'avoir des données qu'on peut compter, le pourcentage d'absence, le nombre total d'heures d'absence dans un module, le nombre de retards, le nombre de départs avant la fin du cours. Toutes ces données-là, d'avoir vraiment une façon de consigner ces données-là, puis aussi d'avoir du temps pour créer un lien positif avec les élèves. Donc, il fallait que ça se fasse en parallèle. Oui, on documente, on prend de l'information, mais on prend du temps aussi avec les élèves. Puis quand je dis créer un lien, c'est vraiment aller au-delà de juste ce qui se passe à l'école. S'informer sur la vie à la maison, s'informer même sur les activités de loisirs que les élèves peuvent faire. Se donner du temps aussi où on ne sera pas dans une approche vérifiée, enseignée, consignée, évaluée, où on va simplement avoir une heure de dîner avec eux, on va faire un barbecue, on va échanger. Alors vraiment d'avoir l'aspect créer un lien, puis l'aspect vérifier des données.